tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de Time of Legend, Joan of Arc. Donc le Kickstarter j'avais pas fait quand il était en Kickstarter. J'ai pas participé, pas pledgé à la campagne. Concrètement parce qu'il était trop cher pour moi. Là j'ai réussi à trouver un pledge pas trop cher. Donc j'ai sauté dessus. Parce que c'est vrai que j'avais testé, je sais plus si c'est à l'Udinor ou à un autre festival, le système de jeu j'avais bien aimé, mais ouais, concrètement il était un peu inabordable pour moi. Donc voilà. Et il pèse très lourd. Alors, Joan of Arc, un jeu de Pascal Bernard et Bayard Wu, édité par Mythic Game. Alors, 14 ans et plus, 45-90 minutes, de 2 à 4 joueurs. Je sais pas s'il existe une version solo, avec une application. Sinon, je vais pas le sortir beaucoup, mais bon. On essaiera de le sortir de temps en temps quand même. Pour apprendre à y jouer, parce qu'il est assez sympa. Alors, au niveau de la petite histoire, hop, on va lire ces deux premiers paragraphes. Alors... Time of Legend, Joan of Arc est un jeu de société narratif avec figurines qui vous plonge au cœur de la guerre de Cent Ans. Dans cet univers sombre médiéval, les rois complotent pour le trône de France et sur le champ de bataille, les chevaliers héroïques affrontent des ennemis réels et légendaires. Pendant plus d'un siècle, de 1337 à 1453, une guerre constante fit rage dans les plaines de France. La guerre de Cent Ans est l'une des plus longues de tous les temps et influença tout notre imaginaire collectif sur la chevalerie. Ce fut une époque de mythes, de légendes et d'une fervente croyance en la Sainte Mère d'Église. Ce jeu recrée ce monde de conflits et de foi. Voilà, donc on va ouvrir tout ça, déjà la boîte de base. Pour voir ce qu'il y a dedans, parce que c'est vraiment impressionnant le poids qu'elle fait. Je pense que c'est peut-être la boîte la plus lourde que j'ai. Hop. Donc, comment ils ont osé faire une boîte aussi lourde. C'est sûr, c'est que vu le poids, comment ça peut arriver sans être endommagé. Alors, si j'arrive à l'ouvrir, un jour, hop, voilà. Quand même pas mal de choses. Alors, on retrouve un petit set de dés de toutes les couleurs, selon les personnages. Selon les héros ou les armées, je sais qu'il y a des dés qui sont plus ou moins forts, un peu comme dans tous les jeux. Hop. Des dés rouges avec des phases d'attaque, des phases de mort, des phases de repousser, il me semble. Après, il y a les dés de défense. Je sais qu'il y a les dés pour les gros monstres. Et les blancs, les basiques, je crois. Bon, il y a déjà quand même pas mal de dés, à la base. Des petits cubes, on commence à être habitué. Alors on trouve des cubes gris, donc ça c'est pour, il me semble, les actions. Les cubes verts, les cubes bleus et les cubes jaunes. Alors on se retrouve avec des cartes et des cartes. On ouvrira ça tout à l'heure. Encore des cartes. Et encore des cartes. Allez, on va ouvrir cette petite boîte-là. Il y a vraiment plein de petites boîtes dans tous les sens. Alors, c'est la première fois que j'ouvre vraiment une boîte de Jeanne d'Arc. Donc, je ne sais pas ce que je vais découvrir à l'intérieur. Et on trouve des petits bâtiments. Alors, niveau qualité, elles sont superbes.
quand j'aurais voulu en imprimer, bon, je ne serais pas arrivé à cette qualité-là. Il y aurait toujours eu des petits fils qui se seraient vus, etc. Là, elles sont vraiment, vraiment nickel, quoi. Une église. Pareil, à peindre, ça va être très sympa. Une fois trouvé le bon schéma de couleur, etc. Tout est vraiment super joli. Rien du tout, pas de ligne de moulage, que dalle. Vraiment super. Et deux petites maisons. Alors, est-ce que. Voilà, donc là, c'est peut-être plus une auberge, un truc comme ça. Pareil, qualité de maison. C'est nickel. Donc il y a deux identiques. On rangera ça tout à l'heure. Je vais m'amuser à tout ranger. Une première boîte. On va sortir déjà toutes les boîtes. Que des figurines, tout ça. Alors en dessous, on retrouve le livret de règles. Alors, superbement, en tout cas, il a l'air très joli, très bien fait. Voilà, un beau petit matos dedans. Donc on a vu, voilà, les bâtiments qu'il y a. Donc il y avait une grande maison, deux petites maisons et une église. Et après, bah, il nous restera encore tout ça à trouver. Donc tous les dés qu'on a vus, les cubes, et là toutes les figurines qu'il va y avoir. C'est déjà quand même pas mal. Les différentes figurines du jeu. Donc on a des troupes, des personnages et des civils. Voilà, description des cartes. Les plateaux de jeu, les différentes tuiles. Vous connaissez le système avec une zone, deux zones et trois zones. On peut mettre plus ou moins d'unités selon les hexagones. Les éléments. Les dés. En tout cas, ça a l'air assez clair. Ça explique bien chaque jeton à quoi ça sert. Comme ça, bon, il n'y a pas de quiproquo, etc. La mise en place d'un jeu, enfin d'une partie. L'aperçu du jeu, les différentes phases, phase du conseil, premier joueur, deuxième joueur, troisième joueur et plus, et phase de camp. Voilà, donc la petite rivière avec les différentes cartes, le tour, le nombre d'actions, je crois qu'on a. Je sais plus comment on le fasse d'ordre. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, donc les différents ordres qu'on peut donner, les ordres de réserve. Donc on a l'activation, la charge, la réactivation et l'opportunisme. Dans les actions, on a tout ça qu'on peut faire. Ce qui est quand même pas mal. Après explication de chaque action. Les différents lieux. Zone sur les hexagones, les marais, la forêt, etc. La poursuite après le combat, donc plein de règles. Franchement, c'est impressionnant toutes les règles qu'il y a dans le jeu. Bah, discuter avec un personnage,
première fois que je voyais ça dans un jeu, qu'on peut prendre une sorte de PNJ, le rajouter à notre armée au cas où, ou pas. Le commandement, utiliser un équipement, améliorer un personnage. Après la célérité, les sauts, les charges, prières, les soins. Action du génie, pourquoi pas. Les règles additionnelles, tout ce qui est créatures gigantesques, hein, donc quand même que c'est une sacrée petite échelle. Ça va être marrant à peindre, je pense tout ça. Les gros monstres vont être marrants à peindre. Les personnages, je sais pas. Les unités volantes. Ah, les machines de guerre aussi. Et les différents traits possibles. Un peu de glossaire. Et on a fini le livre de règles. Et après on arrive sur le livret de scénario. Alors voilà, donc selon les quêtes, il y a peut-être un nombre de joueurs. Du Guesclin au siège de Rennes, donc ça c'est le, ouais, ce qu'il appelle le tutoriel. Pour apprendre à jouer. Donc, il y a pas mal de vidéos qui sont sorties dessus aussi, entre le loup-garou et celui-là. Alors après, on va les passer vite fait. Hein, la bataille de Crécy. C'est déjà une plus grosse map. La chevauchée, oui, du prince noir. Encore plus grosse map. La bataille de Cocherel. La revanche de la Tarasque. On commence à faire des beaux petits trucs avec une belle petite map, avec déjà le monstre placé. Etc. etc. Donc on a. Je sais plus combien. Ah, le loup-garou. Non, la croix du loup pendu. Autre chose. Donc il doit y avoir une dizaine de scénarios, je pense. La brocinière, l'épée de Fierbois, la bataille des harengs, la Bastille Saint-Loup, la bataille de Pathé. C'est pareil, belle map aussi. Et prendre 3 par la fois. Donc, je sais pas si. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 scénarios. Bon, c'est pas mal. Temps de faire le tour. Alors. Petit peu de pub. Petite aide de jeu, bon, bien petit, donc que ça tienne sur une page. Les résultats du titre destin, résoudre une attaque, voilà. Les contenances des hexagones, les catégories d'hexagones, donc les collines, les villages, les plaines, marais, forêts, les champs et les rochers, les différentes allégeances. Les traits, donc c'est très bien, ça évite de sortir à chaque fois les règles pour retrouver ce que c'est comme trait, les types d'ordre. Ça a l'air assez bien expliqué. Voilà, la carte premier joueur, les conseils de guerre, les légendes, les rounds, les équipements, voilà, différents dés. Et bah, une deuxième. Et au fond, on va trouver encore plein de cartons.
va aller regarder. Hop, vite fait. Donc on a le un peu le dashboard principal du jeu. Là, je suis en premier joueur. En tout cas, ça s'enlève assez facilement. Fiche de monstre. On a différentes maisons à l'intérieur et en ruine. Des hexagones, alors sont de belle taille quand même. Et des jetons point d'interrogation, je ne sais pas à quoi ça sert. Les différents personnages qu'on peut poser sur le. Il y a une face point d'interrogation et une face avec l'unité. Donc voilà, donc les zones découpées. Découpées en deux, découpées en trois. Hop, voilà, des forêts, des montagnes, des forêts, etc. etc. Alors, il y a plein de jetons, je ne sais pas encore à quoi ça sert. Je sais qu'il y a des trucs de jetons de légende, je crois. Peut-être de l'expérience aussi. Bon, ça, on va les passer vite fait. C'est des tuiles, elles sont jolies. Bien pour refaire un peu d'escarmouche. Comme ça. Un bon paquet quand même. Après, il va falloir commencer à prévoir comment ranger tout ça parce que voilà, quand c'est en plateau comme ça, c'est pratique. Quand ça va être dépunché, ça va être moins pratique. Bon, l'impression 3D, quand je pourrais reprendre, parce que bon, avec le virus, etc., Mondial Relais ben, ne livre plus, etc. Et j'arrive en fin de bobine, donc pour le moment, je n'ai plus de print possible. Et en plus, confiné à la maison. Hop, voilà. Le ciel. Non. Ça, c'est pareil. Ils ont fait des hexagones seuls. Deux morceaux. Trois morceaux. Donc. Peut-être bataille avec des anges. Je ne sais pas trop. Alors là, on retrouve voilà, les deux dashboards pour les joueurs, 1 et 2. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Bon, ça, c'est jetons feu. Différentes maisons. Des petits tokens barricades, je pense. Voilà, il y a quand même énormément de choses, énormément de matos. C'est assez impressionnant. Pour le joueur 3, le joueur 4. Et bon, en fait, la même chose. Ça fait déjà un bon paquet de choses à l'intérieur. Alors on va regarder un petit peu les cartes. Si je retrouve mon cutter, c'est sauvé. On va commencer par les petites. Alors là, je tousse, hein, mais c'est tout. Hein. J'ai pas de température, rien du tout. Donc logiquement, tout va bien. Alors bon, ça, c'est des cartes. Je sais pas si celle-ci, c'est peut-être le nombre de tours que l'on a. Voilà. Donc alors, je connais pas trop les symboles. Ça, je pense c'est peut-être le nombre d'actions qu'on peut faire dessus, enfin qu'on a en plus. Mais après, ouais, je les connais pas tous, ou même pas du tout. Et après, c'est un petit peu mélangé. À moins que ça soit trié pour le scénario, je sais pas. Hop, bouclier humain. Jouez cette carte n'importe quand. Choisissez l'un de vos personnages. Celui-ci gagne garde du corps jusqu'à la fin du round. Et ça coûte 1. Donc là, on prend un. Des trucs de tour aussi, donc voilà, c'est assez varié vu qu'on va en tirer que quelques-unes. On a quand même un choix assez impressionnant de possibilités sur, je crois que vous voyez, d'avoir quelques tours de jeu, 4-5 tours. Voilà, donc là, pareil, je vais pas tous les faire non plus parce qu'il y en a tellement.
Alors, retirer jusqu'à 3 dés de l'adversaire parmi ses dés de défense avant son jet. L'une de vos unités gagne esquive jusqu'à la fin de l'attaque. Voilà, donc c'est tous les trucs où on doit payer un certain nombre pour avoir. Après avoir joué un ordre bleu, s'il vous reste encore au moins un ordre bleu, jouez-le sur la même zone, etc. etc. Bon, il y en a énormément, des trucs avec des pavés écrits. Rallier l'une de vos unités, déplacer une unité ennemie d'une zone, annuler un résultat, je crois que c'est poussé, de l'attaquant. Voilà, donc il y en a, c'est pareil, on va en sortir que quelques-unes sur la sorte de rivière qui est posée sur le plateau. Donc il y a quoi de faire énormément de parties avant que ça soit deux identiques. Allez, deuxième petit paquet, donc la suite. Alors, je ne sais plus à quoi ça sert ces cartes-là, on va voir. On verra par la suite. Déplacez un de vos points de ralliement et rallier une unité ennemie. Rallier. Bon, quelques petites fautes de frappe sur certaines cartes. Énormément de choses, mais par contre je ne sais pas à quoi ça correspond. Avec des diamants rouges dessus, je ne sais plus. Alors, je vais essayer de trouver pour voir. C'est des conseils de guerre. La notice ici, ça sera mieux. Quand même un paquet de cartes, ça forcément, ils sont pas dedans ceux-là. Alors, je sais pas si c'est peut-être le loup-garou celui-là. Bon, en tout cas, ça y ressemble. Bon, je pense que ça c'est vraiment spécifique au scénario. Alors, je sais pas si ça, si c'est des conseils de guerre qui sont. En tout cas, ça correspondra un petit peu aux couleurs des actions. Il y a les jaunes, il y a les bleus, il y a les rouges. Il n'y a pas de rouge. Bon, bref, on verra bien. Potion de ralliement. Amulette, lancer n'importe. Après n'importe quel lancer de dés, dépenser un jeton pour changer le résultat d'un de vos dés. Le porteur gagne. Alors, je sais pas si c'est attaque plus un dé, enfin quand il attaque plus un dé rouge contre les personnages du mal. Et après les bleus. Alors, je sais pas si c'est conseil de guerre bleu. En attaque de mêlée, relancer un des dés du porteur. En attaque de mêlée. Ouais. En défense, lorsque le porteur subit une poussée, choisissez la zone où il doit se déplacer. En défense, défaussez cette carte pour transformer un blessé qui cible le porteur en poussée. Bon, ça on apprendra quand on fera la partie. Alors, bon allez, on va changer un petit peu. On va voir ça. Alors, je vais pas tous les montrer parce que je crois qu'il y a énormément de figurines. Super, des autocollants à coller. Cool.
Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Alors, là. La première, alors je vais essayer de trouver tous ceux qui sont différents. On a un petit Jacques Cavalier. Alors c'est impressionnant comment la sculpture est petite et fine. Pour je crois que c'est du 15 mm. C'est super. Alors je vais pas m'amuser à chercher la carte hein, qui fait référence à ça, on va regarder ça les cartes après. Parce que sinon je crois que la vidéo va durer 3 ou 4 heures. Le loup-garou. Bien imposant sur son petit caillou. Un archer. Ah, pareil, il y a du pas mal de taf sur la figurine, elle est vraiment jolie. À peindre, ça va être l'éclate totale. Tellement c'est petit. Alors, donc selon les avus, ceux-là, donc après bah, il reste encore des cavaliers. Ça sont magnifiques. Sacrément pas mal de détails. Alors, si on les a vus, on les a vus, on les a vus. Hop! Alors, si je me souviens bien, je crois que c'est Jeanne d'Arc. Avec son étendard. C'est impressionnant, on sort de 6 semaines de pluie, j'ai que dalle, 2 jours de soleil, je me chope un rhume. Et une toux. Ça va être rigolo quand même pour coller tous les autocollants. Ça va être bien. Figurines sont vraiment très 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 sympas. Pour la taille. En tout cas, bon, heureusement que c'est pas du 32 ou du 40 mm, hein, sinon je crois que la boîte aurait été 6 fois pire. Alors, ça c'est. Je sais pas. Une sorte de démon, de sorcière peut-être. En tout cas, très joli. Voilà, on trouve des lanciers. On voit un petit peu plus, petite ligne de moulage. Bon, ça va. Alors, et la ligne au-dessus, ils sont tous différents. Alors, on va attaquer par lui. Beau petit guerrier. Alors, ça doit être un personnage unique, hein, je pense, mais je ne peux pas dire à qui il correspond. En tout cas, il est très très joli.
une belle épée. Pareil, sûrement un héros. Impressionnant pour la sculpture, c'est superbe. Pour la taille. Il y en a même avec leur chien directement. Bon, lui, je peux le dire, c'est un prêtre, je pense. Ou un noble. Non, peut-être un noble. Peut-être pas un prêtre. Allez, j'ai fait la moitié de la ligne. Tous les personnages sont vraiment super jolis. Alors, encore un beau petit guerrier. Toutes les poses, elles sont bien trouvées, ça rend super bien. Ils font bien un peu barbare. Prêt à en découdre. Par contre, je pense que si tu enlèves tout, toutes les figurines, tu passes un temps fou, mais à essayer de retrouver leur place ou faut prendre une photo. C'est direct avant de sortir, tu prends une photo et comme ça, tu te l'imprimes en grand ou tu l'imprimes sur ton fond d'écran. Bon, ça, c'est un prêtre pour retrouver l'emplacement de chaque personnage, quoi. Et tu rajoutes la feuille limite entre les deux. Comme ça, au moins, tu es sûr de trouver les places. Un petit forgeron. Encore une sorte de prêtre, je pense. Une sorte de paysanne. Et on a fini la première ligne. Ouh! Et maintenant, on va attaquer le bordel. Bon, ça, je suis pas super fan. Comme beaucoup de monde aussi. Hop, on va essayer d'en ouvrir un petit peu. Alors j'ai intérêt à mettre. Alors soit trouver comment les attacher autrement. Je sais pas si c'est tous les mêmes.
Bon, c'est le bardier. Donc, si, je pense que c'est que des hallebardiers. Celui-là, chaque fois sortir une figurine. Après, je passerai sur des sacs refermables en attendant. Des archers. Très sympa. Une belle petite posture. Alors ici. On dirait des paysans en colère, un petit peu, avec leur gourdin. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Petit loup. C'est... Ouais, c'est que des loups. Alors ici... Petit guerrier. Non, y a rien à dire. Même pour du cette taille-là de figurines, les tout ce qui est sculpture, etc. C'est super. Ça, c'est quoi ça? On dirait des chevaliers avec une sorte d'épée de feu, on dirait. Sans voir l'affiche, c'est pas évident. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Maintenant, hop, il reste plus que 3 paquets à ouvrir pour cette planche-là. Alors, des arbalétriers, bien protégés derrière leur... je crois que c'est un pavois. Des guerriers. Ah, sur cela, leur bouclier est sculpté. Il doit pas avoir de calco à mettre dessus. Et le dernier paquet.
Alors ça, c'est pas des humains. Ça va être super à peindre, je pense, avec les nouveaux contrastes, la couleur squelettique. Skeleton Horde. Ça va super bien rendre et se peindre assez rapidement. Une petite armure rouillée, métal avec un petit lavis noisette dessus. Et c'est terminé. Je crois que c'est dans les premières que je vais faire. Ils sont superbes. Et voilà, donc on a fini avec le premier. Toutes les premières unités. Donc, pas les uniques, mais ceux qui sont en gros. Bon, attends, on va commencer, on va continuer un petit peu, on va intervertir. Hop, on va faire un petit peu de cartes. On va voir ce que il y a à l'intérieur. Alors. Bon. Les ouvertures faciles. C'est pas ça. On va prendre la bonne vieille méthode du cutter. Alors, les cartes des unités. Alors, on a les chevaliers montés. Donc ça, on les a vus. Alors, deux dés rouges en attaque. Un dé rouge en défense, un dé noir en défense. Voilà, différent, la petite noblesse, qui ont des compétences en plus. Les chevaliers à pied, donc ça pareil, on a dû les voir. Deux dés rouges et un dé noir. Les sergents d'armes, un dé rouge et un dé rouge. Les piquets, ça on les a vus. Un dé blanc, un dé jaune. La milice bourgeoise, des blancs et des jaunes. Albardier, des blancs. Deux dés en défense, ouais, bon, peut-être beaucoup d'armure. Arbalétrier, des rouges et des blancs. Ah, donc il y en a qui tirent, je crois qu'il y en a qui tirent droit. Eux ils tirent en cloche, etc. Selon ça évite les obstacles et tout. Il y a quand même pas mal de règles. Deux dés jaunes et un dés blanc. Des archers montés. Des paysans. Alors les anges, on les a pas encore vus. Les loups, ça on les a vus. Les fantômes, alors est-ce que c'est les squelettes qu'on a vus? Non, c'est encore des autres unités. Alors soit on les a pas vus, soit j'ai pas reconnu. On a les squelettes. Le prêtre, ça on l'a vu. Le forgeron, on l'a vu. Le devin, ça on l'a vu. La marchande aussi. Le bourgeois aussi. Les chasseurs, je ne sais plus. Et la rebouteuse, ça on l'a vu aussi. Alors, ça c'est fait. Allez, on va ouvrir la deuxième grosse boîte. Voilà, on va trouver un peu plus de bestioles. Alors, on retrouve les différents socles qu'on met pour les figurines, donc il y a des trucs de grosses unités, les petites unités et les socles où on peut en mettre plusieurs dessus, donc quand même plus que trois personnages ou deux personnages, déjà un bon petit paquet. Alors on retrouve. Alors on va commencer tout là-haut. Par ça, on l'a pas encore vu en carte, il me semble. La licorne. Ah, c'est là où on attaque un petit peu les mythes et légendes. Bon, j'avais déjà les squelettes, mais un petit peu plus. Alors, une belle petite licorne. Les anges. Ah, eux sont tout simplement magnifiques.
c'est fin, c'est nickel, c'est pas tordu. Je sais pas si au niveau du visage. On est bien, enfin très très bien. Un bouclier magnifique. Donc ça on en a. Hop, ça il y en a une autre sorte d'ange. Nickel comme figurine. On va garder la plus grosse pour à la fin. Une charrette. Il y a vraiment de tout dans ce jeu. Voilà, on peut aussi bien avoir que la charrette ou que des bœufs ou les deux peut-être. Je sais pas, ce sera peut-être selon les scénarios. La figurine ici, bah, elle est pareil, elle est super sympa. Pareil, à peindre, ça va être bien marrant. Et des petits meubles. Et là, on a le premier gros monstre. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. On va dire la tortue, la grosse tortue. Ah, comme figurine, c'est un beau bestiau. Et voilà, et on a fini cette boîte-là. Hop, on va pouvoir attaquer. Allez, celui-là. Alors, on a le prince noir. Donc ça c'est l'allégeance, l'expérience, je crois qu'il y a un niveau 1, un niveau 2. Voilà, forcément les caractéristiques qui changent, donc il y a 2 dés rouges, 1 dé noir, compétences, bon c'est peut-être les points de vie, 3 points de vie. Hop, le veneur, voilà on retrouve la licorne. Et après, on va s'amuser avec toutes les petites figurines qu'on a retrouvées. Philippe le Hardi. Alors, je pense que c'est le dessin du bouclier qui va le retrouver facilement. Bertrand de Plongy. La Jeanne d'Arc. Comte d'Auxerre. Le Prince Noir niveau 1. John Talbot. Barral de Pontèvre. Voilà, des héros. Jean Ier de Luxembourg. Etc. Etc. Donc à chaque fois, un niveau 1, un niveau 2. La Hire. 3 dés d'attaque, 2 dés de défense. Tout un gros. Bon petit bourrin. Voilà, les héros. Jeanne d'Arc, on retrouve niveau 1. Voilà, un bon petit paquet de personnages différents. De quoi faire des scénarios, énormément de scénarios. Etc.
etc. Il y en a vraiment un paquet, c'est impressionnant. Quand même, le loup-garou, sorcière, l'archange Gabriel et des héros montés. Ça fait un paquet de cartes quand même. Et on arrive bientôt sur la fin. Il nous reste une dernière boîte à ouvrir et un petit paquet de cartes aussi. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? Voilà, des petits arbres. Ils sont très jolis, très bien. Une ruine. Petit morceau de ruine de cathédrale, ou d'église en tout cas. Alors des sortes de barricades. Alors je sais pas pourquoi il y en a en token et il y en a en plastique. Alors, des petits murets hein, qui doivent empêcher les troupes de passer. Ils sont très joliment sculptés. Pareil à peindre, ça va être un peu assez sympa. On retrouve des petits buissons. Et... Alors ça, je sais pas ce que c'est. Ah bah, il y a un petit peu de tout. Des rochers. Encore un rocher, encore un rocher, encore un rocher. C'est, j'ai oublié le nom. Oh, c'est pas grave. Un calvaire, c'est ça. Un petit puits. Et il me reste juste le petit dernier paquet de cartes. Alors je joue une poste qui peut rester à ouvrir. J'ai fait tellement de choses. Et le pire maintenant, c'est qu'il va falloir que je comprenne les règles. Alors, on va commencer par ça. Donc, des héros, toujours. Alors, je sais pas si les cartes... Non, elles sont pas multifaces. Ah si, certaines, j'ai même pas vu. Ah pareil, ouais, niveau 1 et niveau 2. Sorcière du marais, niveau 1 et niveau 2 aussi. Alors je sais pas s'il y a des cartes en anglais, des cartes en français, j'ai pas fait attention. Je pense pas, j'ai rien vu en anglais. Alors je sais pas. Des cartes questions et des réponses. Alors, c'est sûrement sur les PNJ, les on peut questionner les PNJ. Alors, voilà, les différents types de questions qu'on peut poser et les différentes réponses que l'on peut avoir. Donc il y en a pour le fermier, le prêtre, différents pour le prêtre, le forgeron, bourgeois, bourgeois. La rebouteuse, la marchande, marchande, le devin. Ouais, je pense qu'il faut un sacré temps pour bien tout comprendre. Le devin, marchande, marchande, rebouteuse,
Alors, des cartes spéciales sur les batailles. Sur les missions, en tout cas. La croix du loup pendu. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Donc encore la rebouteuse, marchande de vin. C'est toutes les questions qu'on peut poser. Il y en a un sacré paquet. Rebouteuse, marchande, les réponses. Ah, pareil, les héros. Alors pourquoi il y a deux faces? Je sais pas. A1 et A2. La Sainte-Marthe. Encore des questions-réponses. Le bourgeois, le forgeron, le prêtre, le fermier. J'espère qu'ils sont pas classés par scénario, sinon je suis mal barré. Un héros. Ah si, d'accord, oui, j'ai compris. D'accord. Donc à le côté du. Hop. On a le bouclier avec le côté du mal, je pense. S'il veut bien faire la mise au point. Voilà le petit symbole qui est ici. Et de l'autre côté, on a le même, mais côté du bien. Alors. Bon, je pense que le pratique côté bien, côté bien, mais. Des questions-réponses. Voilà. La Tarasque, le gros monstre. Alors, lui, on a le côté du mal. Donc, on a, ouais, pareil, le côté du bien. Donc, je pense que chaque figurine, enfin, chaque carte doit avoir. Peut-être pas tous, mais en tout cas. Le côté du mal et le côté du bien à chaque fois. Et encore des questions-réponses pour bourgeois, forgeron, le prêtre, le fermier. Eh bien, ben, rien que sur une boîte, il y a quand même énormément de matos, quoi. Heureusement que j'ai une grande table. Tout rentre bien dessus, mais il y en a partout. Donc maintenant, le pire, c'est que je vais devoir essayer de tout ranger dans la boîte. Et bon, s'il y a les règles, ça peut être bien. Mais en tout cas, ouais, super, super matos. Rien que pour la boîte de base, et j'en ai encore quelques-unes à ouvrir derrière. C'est assez impressionnant. Je reviens toujours sur les bâtiments, ils sont magnifiques. C'est vraiment vraiment de la très très bonne qualité quoi. Et les gros monstres, enfin tous les monstres, les figurines, les héros, les anges, etc. sont vraiment 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 super. Ben voilà, donc sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On va lire tranquillement les règles et on se refera une petite suite partie un petit peu plus tard. Allez, ciao ciao et portez-vous bien.